Good morgen, allez, Iden Letus, aujourd'hui, le Nishmat, mon Rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman, Shlomo Binyamin ben Mazal, Baruch ben Jamil, Tarab Cohen, Esther bat Sarah, ainsi que le Fat Sarah bat Meti Rivka, Ferid de Sibouin ben Chevalia, Mariam bat Chassida bat Or Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez la communauté éternelle. Nous étudions Masechet Cholin, Perek Bet, Mishnah Hei. Hashochet behema chaya va'of, velo yatsa mehem dam, ksherim, venechalin beyadaim mesoavot, lefi shelo uchsheru bedam. Rabbi Shimon Omer, Urcheru Bashechita. On commence par traduire. Il y a une petite difficulté pour la suite de la Mishnah. Il va falloir introduire 3-4 introductions. Mais d'abord, on n'a qu'à lire et traduire la Mishnah. Après, on expliquera les autres échelles. Tout d'abord, Ilchot Shechita, Ashochet Behema Chaya Va'of. Celui qui va égorger, qui va faire l'abattage rituel d'un animal, un mammifère. Chaya, c'est un animal sauvage. Cerf, gazelle, ve'of ou une volaille, d'accord, c'est les trois types d'espèces que l'on doit consommer en faisant la shrita. Ve'lo yatsa mehem dam, il a tranché les simanim, parfaitement, il n'y a eu aucune goutte de sang qui est sortie, ça peut arriver. Eh bien, la Mishnah enseigne que c'est kshérim, il n'y a aucun problème, c'est kasher. Et en soi-même, même un petit chidouche d'ailleurs, parce que vous savez bien que lorsqu'on égorge les chaya ve'of, les animaux sauvages et les poulets, il y a la mise de kisui adam qu'on découvrira ensuite plus tard dans la Masechet Roulin, il faut recouvrir le sang avec de la terre. Mais là, il n'y a pas eu de sang qui est sorti, malgré tout, quoi qu'il arrive, la shrita, elle est kshera. Ce n'était pas une condition requise sine qua non à la shrita de faire sortir du sang. Si toutefois l'animal il est mort par la shrita, c'est parfait, il n'y a aucun problème. Maintenant, du coup, la Mishnah va nous faire entrer dans des ilchot tuma vetara. Donc c'est ça maintenant, on traduit, après j'explique. Vene chalin beyadaim mesoavot, et l'on pourra consommer cette viande même avec des mains. Meso avot, des mains impures. Pourquoi ? Les fiches lo urcheru bedam. Car cette viande, donc l'animal, qui n'a pas eu de sang qui est sorti, n'a pas été mourchar, n'a pas été, validé avec le sang, par du sang. Phrase un peu étrange. Il y a Rabbi Shimon qui va nous dire non, urcheru bishrita, malgré tout, elle a été, ça entre en fonction par la shrita. On explique tout d'abord, première notion à savoir. Dans tous les éléments naturels que l'on consomme, que ça peut être des fruits, ça peut être même de la viande, pour qu'ils véhiculent l'impureté, la Torah elle a exigé qu'ils entrent en contact avec de l'eau depuis le moment où ils ont été cueillis ou depuis le moment où ils ont été abattus. C'est-à-dire, on a déjà rencontré plusieurs fois cette halakha, ça s'est explicite dans la Torah d'ailleurs. Si toutefois vous allez cueillir des fruits, et puis il y a quelqu'un d'impur qui va venir toucher ces fruits, et bien ces fruits n'ont pas encore reçu d'impureté. Pourquoi ? Ils ne sont jamais entrés en contact avec de l'eau depuis le moment où ils ont été cueillis. Si toutefois il y a de la pluie qui est tombée dessus quand ils étaient encore rattachés au sol, et bien ça ne va pas les rendre aptes à véhiculer l'impureté. Il n'y a pas eu pour le moment le hercher. Pour recevoir le hercher, c'est l'aptitude à véhiculer l'impureté, il faut nécessairement avoir été mouillé par un des Shiva Mashkim, un des sept liquides qui sont, ils sont apportés dans le Barthénois, Maim Yad Shachat Dam, c'est le Siman, qui font, bon là dans le Barthénois ils sont pris dans des ordres, Maim Yain Veshemen, de l'eau, du vin ou de l'huile d'olive, Chalav, du lait, Dvash, quand il y a marqué Dvash, c'est du miel, d'abeilles, pas du miel de tamarim, dame, le sang, étal et la rosée. D'accord ? Ça nous fait yad, shachat, dame. Logiquement, ça va faire yaïn, dvash, shemen, chalav, tal, dame et maïm. Ok ? Yad, shachat, dame, c'est le moyen de se souvenir. C'est les sept liquides que, donc, pour si toutefois, un fruit, une fois qu'il a été cueilli, il est entré en contact par un de ces liquides, alors maintenant le fruit devient apte à véhiculer l'impureté. On a fini la première introduction. Deuxième introduction maintenant, c'est de savoir que nos mains, Chachamim ont fait une xéra que les mains véhiculent l'impureté. C'est pour ça qu'on fait une Netilat Yadayim. Ils ont été metakanisa, ils ont décrété ça initialement lorsqu'on mange des kochim, puis après lorsqu'on mange aussi de la trouma, et puis après ils ont imposé, c'était en trois niveaux.
Une fois, c'était Shlomo Meler. Après, c'est l'époque, je crois, de Hillel. Et après, il y a une autre takana dans la Gemara, dans Khulin. Pour même lorsque l'on mange du pain. Lorsque l'on mange du pain, ou d'avoir chez Tiboulou Bemashke, quelque chose qui a été humidifié par des liquides. En l'occurrence, comme ce qu'on apprend, Chachamim ont fait un décret que l'on se lave les mains. Et pour pouvoir imposer qu'on se lave les mains pour plusieurs raisons de propreté et d'hygiène, et même de pureté, eh bien, Chachamim ont décrété une impureté spéciale pour les mains, qui sont une impureté de Sheni Latouma. Deuxième niveau d'impureté. Il y a toute une famille d'impuretés. Je vous le dis très rapidement, sinon ça va faire encore trop long. Donc, on véhicule une certaine impureté à cause des mains, que l'on supprime cette impureté lorsqu'on fait une étirée d'aïm, on prend de l'eau, on se lave les mains, et puis ça, on arrête de véhiculer l'impureté. Maintenant, il nous manque maintenant la troisième introduction maintenant, c'est de savoir qu'à l'époque, lorsqu'on mangeait les choses dans la pureté, il y avait des gens dignes, érudits, qui faisaient attention à consommer toute leur consommation profane, même lorsqu'ils mangeaient chez eux à la maison, avec les lois rigoureuses d'impureté, comme si ils mangeaient des kochim. C'est ce qu'on appelle des chulin shenasu al tarat hakodesh, des aliments de niveau profane initialement, mais qui sont consommés avec la même rigueur de sainteté que si c'était des kochim du Beth Amikdash. Alors maintenant, on va recommencer à rattacher maintenant les trois notions. Il faut savoir que tout d'abord, lorsque mes mains sont impures, ben, si je touche même des fruits qui sont chez moi à la maison, je ne les ai pas rendus impurs. Pourquoi ? Parce que dans tout ce qui est chol, tout ce qui est profane, alors mes mains qui sont niveau 2, même si on touche un fruit, ils ne vont pas le rendre interdit par le niveau 3, parce que le niveau 3 ne concerne que ce qui est kadosh. D'accord ? Vous retenez la notion. De ce fait, la Mishnah m'enseigne maintenant. Le but de la Mishnah est de me dire que sache que maintenant, la Mishnah elle est très simple. Le but elle est de me dire, tu sais, quand tu as égorgé l'animal et qu'il n'a pas eu de sang, il s'avère que l'animal il n'a pas encore été en contact avec un liquide. Donc il ne va pas véhiculer l'impureté. Donc si tu vas le toucher avec tes mains, tu ne vas pas le rendre impur. Ça, c'est ce que la Mishnah veut me dire. Seulement, il y a un problème technique. C'est que de toute façon, même si l'animal avait été mouillé et que je l'avais touché, je ne l'aurais pas rendu impur. Parce que dans tout ce qui est chol, tout ce qui est profane, il n'y a pas de niveau 3. Mes mains ne véhiculent pas l'impureté aux choses. D'accord ? J'ai un décret, c'est-à-dire, certes, lorsque je veux manger du pain, je suis obligé de faire Netilat HaTaim, mais si j'ai touché mon pain avant Netilat HaTaim, je ne l'ai pas rendu impur. Donc finalement, qu'est-ce que la Mishnah a besoin de me dire que tu pourras même le manger avec des mains impures, niveau 2, puisque de toute façon, même si ça avait été mouillé, tu n'aurais pas véhiculé l'impureté. Et il n'y aurait même pas eu d'interdit de le manger tel quel. Ramène mon fin de décret lorsqu'on mange du pain, et pas lorsqu'on mange de la viande. Donc qu'est-ce que ça veut dire que la Mishnah me dit que tu peux le manger avec des mains pures? C'est sur ça donc qu'il va falloir introduire qu'en réalité, on parle ici d'un cas particulier, on parle des chulin shenasu al tarat hakodesh, on parle de ces aliments profanes que l'on a fait avec les mêmes lois rigoureuses de sainteté et de kochim, que la Mishnah maintenant est venue m'enseigner. Sache que, en théorie, tu n'as pas le droit de manger avec tes mains impures lorsque tu veux recevoir ce titre d'érudit qui mange dans la pureté. Eh bien, c'est vrai. Et donc tu dois faire attention à ne pas manger avec tes mains impures lorsque tu manges de la viande, mais cette viande-là que tu as égorgée sans qu'elle ait été en contact avec le sang, puisqu'il n'y a pas eu de sang qui est sorti de son cou, alors dans ce cas-là, elle ne véhicule pas l'impureté, tu peux la manger avec tes mains impures. Ça, c'est l'avis de Tanakama. Rabbi Shimon vient maintenant et me dit que malgré tout, la viande, elle est devenue apte à être consommée à cause de la shrita. Là, ça demande beaucoup plus d'acrobatie pour expliquer ce qu'il nous dit Rabbi Shimon. Le Bartanora nous enseigne en fait un principe. Migo de sharia shrita lehach basar midever minachai machvelenami ochla legabe touma. Je traduis la phrase. Du fait que la shrita a malgré tout fonctionné pour pouvoir lever l'interdit de ever minachai, l'interdit de consommer un membre d'un être vivant, vous savez bien qu'on n'a pas le droit de. Même un goy, il n'a pas le droit de manger. S'il veut manger de la viande de vache, il ne peut pas, pendant que la vache est vivante, lui arracher le pied et le consommer, il transgresse l'interdit de Ever Menachai. Eh bien, la Shrita va aider maintenant à lever cet interdit de Ever Menachai. De ce fait, la Shrita va même donner un statut d'aliment à l'animal égorgé, même s'il n'y a pas eu de sang. Et de ce fait, puisque c'est devenu un aliment, ça va véhiculer l'impureté. Vous avez probablement rien compris. Et je vais vous expliquer très grossièrement, vulgairement, quoi, un peu le principe. La notion que les aliments doivent nécessairement entrer en contact avec un liquide pour pouvoir véhiculer l'impureté, c'est parce qu'en fait, depuis le moment où on commence à... Initialement,
c'est de la matière première. C'est pas encore un animal. Un aliment. Ça peut être un animal vivant. Ça peut être un végétal planté au sol. Pour le moment, c'est pas encore un aliment. Le fait de l'avoir coupé, c'est pas encore devenu un aliment au point de véhiculer l'impureté. Jusqu'à que maintenant, il va falloir faire une action dessus qui va transformer comme ça. Et maintenant, on l'a cueilli, on a commencé à fonctionner avec lui. On a commencé à le rincer, à l'entrer en contact avec toutes sortes de liquides. D'accord ? C'est le principe général pourquoi la Torah a requis que l'aliment entre en contact avec un de ces sept liquides. Alors maintenant, Rabbi Shimon vient et te dit, sache que malgré tout, tu pourras... Donc finalement, on retient que le principe, en fait, de mettre en contact avec de l'eau, c'est pour faire que ce qui était une matière première devient un aliment. D'accord ? Eh bien, le Rabbi Shimon vient et me dit, sache que la Shrita même que tu as fait, puisque la Shrita maintenant a levé l'interdit de Ever Minachai, il s'avère qu'à présent, c'est devenu malgré toi un aliment. C'est devenu malgré toi un aliment consommable, puisqu'un goy qui va le manger maintenant, il ne va plus transgresser l'interdit de Ever Minachai, puisque maintenant, le simple fait d'égorger donne un statut d'aliment à cette matière première, à cet animal qui gambadait, eh bien, il s'avère que maintenant, la Shrita va aussi faire entrer en fonction maintenant le statut d'aliment à cette viande, et de ce fait, elle va véhiculer l'impureté, même si elle n'est pas entrée en contact avec le sang. D'accord ? C'est une notion un peu délicate, je ne vous cache pas que même pour moi, c'est délicat. Donc, j'explique selon ce que j'ai intégré, quoi, mais j'espère que je ne me suis pas trompé, Bezrat Hashem. C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha, comme tout, salam.